deux États se partagent à la pointe sud de l'Inde. Le Tamil Nadu, grand comme la Grèce, qui abrite 63 millions d'habitants, avec Chennai, anciennement Madras, comme capitale. Sa langue est le tamoul, une langue dravidienne, avec son écriture particulière de 59 caractères. C'est aussi l'État le plus hindouiste de toute l'Inde. Le Kerala, qui est presque grand comme la Suisse, ne compte que 33 millions d'habitants, et si Thiruvandrum en est la capitale officielle, les deux grandes villes sont Calicut et surtout Cochin. On y parle le Malayalam, l'une des 21 langues officielles de l'Inde, qui s'écrit avec 49 caractères spécifiques. Le Kerala est un État très particulier au point de vue politique, social et culturel, comme on le verra plus tard. Notre périple commence par le Tamil Nadu avec Madras. La densité du trafic routier, que l'on découvre dès la sortie de l'aéroport, confirme le fait que Madras est bien la quatrième ville de l'Inde avec ses 7 millions d'habitants. Son port important, ses industries, qui vont de l'automobile au textile, en passant par la pétrochimie, expliquent son tourbillon sonore et pollué des grandes métropoles. La réputation du port de Madras était déjà bien établie au XVIe siècle, ce qui explique la venue des Portugais, puis des Hollandais et enfin celle des Anglais, qui feront de Madras le centre administratif et militaire de l'Inde du Sud. Les témoins de l'Empire britannique des Indes sont toujours là et servent maintenant aux divers services gouvernementaux du Tamil Nadu, où sont devenus des musées. L'église Sainte-Marie, achevée en 1680, est la plus ancienne église anglicane de toute l'Inde. De nombreuses plaques commémoratives tapissent ses murs. Malcolm McNeill, colonel dans la cavalerie légère de Madras, est mort en Birmanie, à Rangoon, en 1852, des suites d'un coup de soleil. Le capitaine Robert Scott Wilson, du 21e régiment de l'infanterie de Madras, est mort en mer, à bord du navire Sésostris, lors du passage du Cap de Bonne-Espérance. Il existe une autre église célèbre à Madras, dont l'histoire remonte au XVe siècle. Imaginez la surprise de ces navigateurs portugais qui, touchant terre à Madras pour la première fois, se sont trouvés face à un groupe d'Indiens se présentant comme les chrétiens de Saint Thomas. On savait que Thomas, l'apôtre incrédule, avait quitté Jérusalem pour aller évangéliser les Parthes dans l'Iran actuel, puis qu'il était parti plein sud, mais on avait perdu sa trace. Et voici qu'on le retrouvait au sud de l'Inde, à 10 km de Madras, avec son tombeau gardé pieusement par les chrétiens et les musulmans. Thomas avait fini sa vie à Madras, tué d'un coup de lance alors qu'il priait devant sa croix. Les restes de l'apôtre furent ramenés à Madras, dans un petit sanctuaire, remplacé en 1504 par une église construite par les Portugais, église qui sera rebâtie en 1893 dans un style néo-gothique avec une flèche de 50 mètres de haut. Dans le chœur, une statue du Christ, avec à ses pieds des pans et des fleurs de lotus, symbole du culte de Subramaniam, remplacé par Saint Thomas lorsqu'il implanta le christianisme. Plus loin, une statue de l'apôtre. La tombe du saint se trouve sous l'autel, installée dans une crypte à la croisée du transept. Thank you.
Cette basilique est l'une des trois basiliques construites sur les reliques d'un apôtre, après Saint-Pierre à Rome et Saint-Jacques à Compostelle. Le Tamil Nadu compte 6% de chrétiens et 5% de musulmans, mais 89% d'hindous, d'où l'importance des oratoires et des temples hindous. Le temple Kapaliswara se voit de loin avec son Gopuram, le tronc de pyramide entièrement décoré, construit au-dessus des portes d'entrée. À l'intérieur de l'enceinte, les sanctuaires sont eux aussi couverts de statues. Ces figures sculptées et peintes représentent les divers aspects de la divinité à laquelle le sanctuaire est consacré. Elles concernent aussi les dieux qui lui sont associés, sa famille en quelque sorte. Ces images possèdent leur propre langage, sophistiqué et codifié comme une écriture. Les postures, les positions des mains et des doigts, les coiffures sont autant d'informations sur le personnage auquel s'ajoute un univers de symboles. La fertilité pour le serpent ou l'immortalité pour le paon par exemple. Passant sous le dieu Ganesh qui les bénit, les fidèles viennent faire des offrandes à Shiva, le dieu créateur et destructeur, responsable de la transformation du monde, à qui le temple est dédié. Les petites lampes à huile sont des offrandes de lumière à la divinité. En contrepartie, les fidèles recevront la bénédiction d'un prêtre qui pourra même accorder une onction de poudre ou d'huile sacrée sur le front. On peut aussi s'incliner devant une représentation même symbolique de la divinité. On prend congé du dieu en se prosternant au pied de son étendard, tête au nord. Durant cette prosternation, 8 parties du corps doivent toucher la terre en même temps. Au sommet de la colonne, le taureau Nandu, le véhicule de Shiva, et deux empilements de trois disques pour rappeler que Shiva est l'une des trois déités de la Trinité avec Brahma et Vishnu, et qu'il est aussi le dieu du ciel, de la terre et du fond des océans. Le temple est aussi un lieu de vie où l'on pourra se reposer ou méditer avant de retourner à ses occupations profanes. Madras, c'est aussi Kollywood, le pendant de Bollywood à Bombay, car tous les films en tamoul sont tournés en Madras. Des films qui comptent toujours de nombreux numéros musicaux et de danse, ce qui est très naturel ici, puisque le Tamil Nadu est le berceau du Bharatanatyam, une danse mimée, narrative ou symbolique, qui utilise le langage très complexe de l'Abhinaya, mouvements expressifs du corps, du visage, et surtout de la main, que l'on appelle des mudras. Les multiples combinaisons de ces éléments constituent un code précis, connu des spectateurs, mais difficile à saisir pour le non-initié, qui a besoin d'un minimum d'informations. Jilugudu pati jaraka.
L'apprentissage du Bharatanatyam se fait dans de nombreuses écoles au Tamil Nadu. Il est désormais ouvert aux hommes, car à l'origine, ces danses étaient celles des Devadasis, les servantes de la divinité dans les temples hindouistes. Et certains temples en possédaient jusqu'à 400. C'est aujourd'hui un art profane. L'université Kalakshetra, qui enseigne le Bharatanatyam à Madras, est la plus célèbre du Tamil Nadu. Sa participation au festival annuel de la danse de Madras, dont voici quelques extraits, est toujours très remarquée. சத்து அகப்பட்டு இருந்தேரன் என்பதோ பாசத்து அகப்பட்டு இருந்தே À l'origine, le Bharatanatyam était une danse solo. Mais aujourd'hui, il y a le Tiyana, qui se fait à plusieurs danseuses et qui nécessite une grande précision en termes de rythme et de synchronisation. Enfin, Madras ou Chennai, c'est aussi la côte de Coromandel, avec ses kilomètres de plage et un long port de pêche. À 58 km de Madras, Mahabalipuram, qui était autrefois un grand port, doit sa réputation à ses roches et à ses collines de granit, qui, au 7e siècle, servirent de terrain d'essai à l'édification des premiers temples creusés dans la roche. Appelés mandapas, ils sont dédiés chacun à un dieu particulier. Thank you.
Krishna, un avatar de Vishnu, soulève la montagne pour abriter ses amis les bouviers des fureurs d'Indra qui voulaient inonder le pays. Les scènes naturalistes sont remarquables de douceur et de grâce, propres à Krishna. Un peu plus loin, le sanctuaire de Manishasura Mardini présente la déesse Durga, chevauchant un lion et décochant une flèche au démon à tête de buffle. Sur un autre côté, Vishnu, endormi, repose sur le serpent Ananta. Les piliers, reposant sur des lions, sont la caractéristique du roi Pallava Narasimhavarman Ier. Si les touristes affluent aujourd'hui, la cité fut abandonnée au IXe siècle et ce furent des voyageurs européens qui la redécouvrirent au XVIIe siècle. Taillés dans un éperon rocheux, cinq temples monolithiques ont été sculptés en forme de chariots de procession, les ratas, du VIe au VIIIe siècle. Chaque rata est dédié à un dieu et porte le nom d'un des rois Pandava. Le petit rata de Draupadi rappelle une chaumière tamoule. Il est consacré à Durga, dont la monture, un lion que l'on aperçoit derrière le char, a été dégagée d'un bloc isolé. Le suivant est dédié à Shiva et porte le nom d'Arjuna. Plus complexe, il est orné de sculptures d'une grande finesse. Le taureau Nandu, la monture de Shiva, est évidemment près de son maître. Le troisième rata, dédié à Vishnu et au roi Bhima, rappelle les huttes typiques des tribus des monts Nigris. Ses colonnes reposent sur des lions, la marque des Pallavas, mais tout le bas est inachevé. Le quatrième rata, de style dravidien, est dédié à Brahma. Seule la partie haute semble terminée. Voici le dieu Ardhanarishvara, mi-homme, mi-femme, car moitié Shiva, moitié Parvati. Un peu plus loin, le roi Pallava, Narasimha, qui fit construire le rata. Ces coupes dans la roche sont la toute première ébauche de ce qui aurait dû devenir les sept chevaux qui tirent le chariot. Le sommet du cinquième rata rappelle le dos de l'éléphant qui sert de monture au dieu Indra, le roi des Devas. Malheureusement, il est à peine ébauché. Mais le site le plus spectaculaire de Mahabalipuram est sûrement ce bas-relief du 7e siècle, qui est probablement le plus grand du monde, avec ses 27 mètres de long et ses 9 mètres de haut. Autrefois, l'eau s'écoulait sur la séparation des deux rochers qui composent le bas-relief, d'où son nom, la descente du Gange, avec ses nagis, les génicobras aquatiques. Mais ce bas-relief est aussi appelé la pénitence d'Arjuna. Ce prince, qui après une longue ascèse, main en l'air et sur une seule jambe, reçut enfin d'une des quatre mains de Shiva l'arme miraculeuse qui peut tuer les dieux afin de reconquérir son royaume. Au-dessous, des ascètes écoutent l'enseignement d'un gourou autour d'un petit temple. Des souris, insouciantes, danse autour d'un chat en posture de méditation. Dans la partie supérieure, le roi Pallava Mahendra Davarman, avec les dieux et les êtres célestes, qui félicitent Arjuna de son succès. Ici, dans une forêt de non-violence, des antilopes voisinent avec des lions, des sangliers et des singes. Si l'interprétation des éléphants est incertaine, leur réalisation témoigne du goût prononcé de l'art Pallava pour la nature observée dans ses moindres détails. Les temples du rivage sont les deux premiers temples construits pierre par pierre au Tamil Nadu, entre 690 et 715 de notre ère, par le dernier roi Pallava. Malheureusement, sous l'action du vent, du sable et du sel, les sculptures sont maintenant très érodées et à l'état d'ébauche. Le périmètre sacré qui entourait les temples est par contre plus récent.
on a du mal à réaliser que ces deux temples, ici à Mabalipuram, sont à l'origine des temples qui seront construits à Ceylan, à Bali, à Sumatra et surtout en Thaïlande et au Cambodge, sous la civilisation khmère. Sous ces airs de gros villages, Kanchipuram n'est rien moins que la Bénarès du Tamil Nadu, l'une des sept cités saintes de l'hindouisme, la seule située dans le sud. C'était la capitale des rois Pallava qui indianisèrent le sud-est asiatique et l'Indonésie. Ouvert sur les différentes cultures et les religions, les Pallava avaient fait de cette cité un grand centre de tolérance. Kanchi est aussi une ville phare pour le tissage de la soie, une activité déjà florissante sous les Pallava. Important lieu de pèlerinage pour les touristes indiens qui y viennent en nombre, le temple d'Ekambareshvara est le plus vaste et le plus saint de la ville, avec son gopuram de 60 mètres de haut. Mais ce que viennent voir ici les pèlerins, c'est un célèbre manguier qui serait vieux de 3500 ans. C'est sous ce manguier que Parvati aurait adoré un lingam de Shiva, apparu spontanément, et que Shiva et Kamakshi se seraient mariés. L'arbre actuel n'est qu'un rejeton du vieux manguier qui a dû être abattu, mais les fidèles se doivent d'en faire le tour, dans le sens des aiguilles d'une montre, évidemment. Le sanctuaire proprement dit, qui est dédié à Shiva, est interdit aux non-hindous. Ceux-ci pourront toujours se promener dans le hall aux 1000 colonnes, même s'ils n'en comptent que 540. Entre des colonnes, des statues qui seront sorties lors des processions. Comme dans tous les temples, les fidèles viennent ici se recueillir et chercher une bénédiction. Les grands temples ont tous un restaurant du cœur, alimenté par les dons des fidèles. On essaie de servir tous ceux qui le demandent, sans aucune sélection et sans rien demander en échange. Notez que la participation d'un vidéaste est 5 fois plus forte que celle d'un photographe. Côté du sanctuaire, Nandu, le véhicule de Shiva et un bassin pour les ablutions. Kanchipuram possède aussi un témoin de son époque glorieuse. Postérieur de quelques années au temple du rivage de Mabalipuram, le temple de Kailashanatha est le plus ancien sanctuaire construit et non creusé, resté sans modification, et qui soit encore en activité. Le mur d'enceinte est richement orné, car à l'intérieur il abrite 58 niches entre les piliers qui sont autant de temples en miniature. Des petits temples qui, de nos jours, semblent avoir trouvé une utilisation plutôt profane. Ah.
Dominée par un imposant vimana, la tour pyramidale édifiée au-dessus du sanctuaire, le temple est dédié à Shiva, dont on peut voir de nombreuses représentations, ainsi que d'autres personnages du panthéon hindou. De nombreuses sculptures ayant subi les outrages du temps, les Anglais essayèrent d'en restaurer quelques-unes, mais le résultat n'est pas très convaincant. Ces traces de polychromie ancienne sont postérieures à l'époque des Pallavas. Et maintenant, quittons Kanchi, direction plein sud. Aride gourmandise avec les shingada, les châtaignes d'eau, qui peuvent se manger crues après avoir été épluchées, mais qui seront surtout consommées grillées, comme nous le faisons avec nos châtaignes. Le léger parfum sucré des shingada est très apprécié, mais il ne saurait être question de les proposer dans leur coque grillée, d'où la nécessité de les enlever pour être vendus. Si les carrières de pierre propres à la construction sont parfois très éloignées, les gisements d'argile sont relativement nombreux, d'où le nombre impressionnant de briqueteries que l'on trouve en Inde. Contrairement aux apparences, ce ne seront pas des briques crues, car ces briques seront cuites dans de grands fours. Tiruchirappalli, plus connu sous le nom de Trichy, doit sa renommée à son temple exceptionnel qui s'est construit sur 10 siècles, du 10e au 20e, et dont les 7 enceintes entourent un sanctuaire dédié à Vishnu. Les passages d'une enceinte à l'autre, et dans chacun des 4 points cardinaux, se font par des portes monumentales, surmontées chacune d'un gopuram, qui a toujours un nombre impair d'étages. C'est au XVIe siècle que les gopurams vont se recouvrir de figurines de plâtre peintes et sculptées qui sont caractéristiques de l'art sacré du sud de l'Inde. Elles représentent les divers avatars de la divinité, c'est-à-dire les différentes formes prises par Vishnu lorsqu'il descend sur la terre, accompagnées des nombreux personnages du panthéon hindou qui forment la cour du dieu. Entouré par deux gardiens célestes, voici un adorateur de Vishnu, reconnaissable à sa marque sur le front. Sur son éléphant, Indra, le roi des Devas. Et là, sur son cheval, le roi qui fait ériger le Gopuram. De nombreux épisodes du Ramayana sont aussi représentés. Cette épopée raconte l'histoire mouvementée du prince Rama, que les Indiens appellent Ram, avatar de Vishnu, qui dut s'exiler tandis que son épouse Sita était enlevée. Mais grâce à Hanuman, Rama la délivra et remonta sur le trône. Voici Rama, en bleu, avec son épouse Sita, et Hanuman, en vert, le général de l'armée des singes. La traversée du Gange avec Sita, Rama, son frère Laxmana et le batelier Mani. Avec Rama, Ayagriva,
une sorte d'avatar de Vishnu, dieu de la connaissance et de la sagesse. Le plus haut Gopuram culmine à 73 mètres et le plus décoré possède un millier de statues. En fait, les Gopuram écrasent complètement le sanctuaire proprement dit, qui ne se reconnaît qu'à sa toiture dorée. Notez que le sanctuaire est interdit aux non-croyants dès la troisième enceinte. Le petit temple de Venu Golapa, construit au XIIIe siècle, est le plus beau du complexe. Il est dédié à Krishna Berger, le huitième avatar de Vishnu. Les statues aux couleurs vives ne sont pas toujours réservées aux Gopuram. Le temple est comme toujours un véritable lieu de vie. Il abrite aussi un bazar coloré et animé. Le restaurant du cœur est évidemment présent lui aussi. Cet éléphant, symbole de Ganesh, mais avec la marque de Vishnu, bénit les pèlerins contre quelques roupies. De nombreuses dépendances, les mandapas, sont situées entre les enceintes. Le mandapa de Shishiyar, qui date du XVIe siècle, est orné de chevaux montés par des guerriers qui combattent des tigres. Ces derniers symbolisent les musulmans avec qui ils étaient en guerre à cette époque. Tiruchirappalli, au bord de la rivière Kauveri, est en fait un petit Varanasi. Tout hindou rêve de se baigner au moins une fois dans le Gange à Varanasi pour se purifier de ses péchés. Malheureusement, aller à Varanasi quand on réside en Inde du Sud est un privilège réservé à quelques-uns. Mais un riche hindou, du Tamil Nadu, fit venir des mètres cubes d'eau du Gange qu'il versa dans la rivière Kauveri avec la bénédiction des brahmanes. La rivière, ainsi sanctifié, devenait l'égal du Gange pour le bonheur des hindous de l'Inde du Sud. Et il faut bien reconnaître qu'on retrouve ici un peu l'ambiance de Varanasi.
col Sanpi. Disegna il pittuio. Tanjore, avec ses 215 000 habitants et son grand marché, n'a pourtant plus le prestige qu'elle avait lorsqu'elle ne comptait que 30 000 habitants en l'an 1000, ce qui en faisait cependant la 15e ville du monde. Il faut dire qu'à cette époque, c'était la capitale des rois Chola et qu'elle le resta jusqu'au 13e siècle, marquant un apogée de la civilisation de l'Inde du Sud. Les souverains, qui régnaient sur un immense empire qui allait de l'Orissa aux portes de l'actuelle Bombay et à Ceylan, ainsi qu'à Sumatra et Java soumises à leur tutelle, étaient à la tête de richesses considérables qui leur permirent de développer les arts sous toutes les formes. Musique, danse, peinture, architecture. D'autre part, Tanjore étant au centre d'une riche région agricole, c'est le grenierie du sud de l'Inde, ses habitants étaient à l'abri du besoin et pouvaient se consacrer pleinement à leurs désirs, à leur culture. Contrairement à certaines villes du sud de l'Inde qui ont perdu leur aura d'un glorieux passé, Tanjore est resté d'une grande richesse culturelle. Tanjore est le berceau de la musique carnatique, une musique particulière puisqu'elle est sans partition et qu'elle se transmet uniquement par oral. Si notre musique possède une harmonie, c'est-à-dire des accords, la musique carnatique est purement mélodique. Elle est basée sur deux composants principaux, le raga et le tala. Le raga, c'est le choix du ton, des gammes et des notes, qui donnera sa couleur au raga, qui sera alors gai, triste, drôle, léger, et dans lequel le musicien conduira son improvisation. C'est le raga qui donne la mélodie. Le tala, lui, structure l'improvisation et sa rapidité pour qu'elle atteigne au paroxysme à la fin du morceau. Les musiciens se produisent généralement par groupe de 3 ou 4. Si deux solistes jouent en duo, comme on le verra plus tard, ils pratiquent alors un dialogue où chacun jouera en alternance. C'est à Tanjore que naquit vers 1600 une nouvelle forme de peinture sur bois et sur verre. Yeux grands ouverts, personnages bien en chair, y compris pour les ascètes, couleurs vives avec une grande attention aux détails. Éventuellement, collage de pierres précieuses. Ces peintures de petit format, 30 par 40 cm environ, ont des thèmes essentiellement religieux. Voici Dattatreya, la personnification de la Trinité divine, avec Brahma au centre, Shiva à gauche et Vishnu à droite, avec leurs attributs. Sarasvati, déesse de l'art et de la connaissance avec son luth. Nataraja, Shiva en roi de la danse avec sa femme Parvati en vert. Shiva et Parvati sur le taureau Nandu. Dans les panneaux latéraux, en haut et à gauche, leur fils Ganesh, scribe divin, et à droite, leur fils Skanda, chef des armées célestes. En bas, des fidèles que le couple a dotés de pouvoirs surnaturels. Et voici le même Skanda en tenue d'ascète, puis en grande tenue de général. Quelques peintures représentent la vie à la cour des rois Nayak, grands amateurs d'art. Tanjore était et continue d'être célèbre pour ses statues en bronze,
réalisée par le procédé de la cire perdue, dont nous allons suivre les étapes sur un petit sujet qui n'a rien d'hindouiste. L'objet, qui sera plus tard en bronze, est d'abord entièrement réalisé en cire, la cire se travaillant comme une sorte de pâte qui serait malléable, mais sans plus. Le sujet terminé, il faut lui souder deux éléments coniques, tous deux en cire. Un jet pour le passage du métal liquide et un évent pour la sortie de l'air. L'ensemble est alors noyé dans de l'argile très fine pour épouser tous les détails du modèle en cire et très résistante pour tenir sous le coup de la chaleur. Le moule terminé, on devra s'assurer que la base des deux cônes a bien été dégagée. L'argile ayant bien durci, le moule est alors placé dans un four dont la sole est percée de trous pour récupérer la cire qui va couler sous l'action de la chaleur. Lorsque toute la cire aura fondu, il ne restera plus qu'une cavité correspondant exactement à l'objet à réaliser. Avant de verser le métal fondu, le moule, dont on voit bien les deux orifices, est chauffé pour éviter un choc thermique en le plaçant au-dessus d'un des fours qui servent à fondre le métal. La température atteinte, le métal liquide est alors versé dans le moule. Le moule est cassé une fois le métal refroidi et l'objet sorti de sa gangue d'argile. Jet et évent seront sciés pour être récupérés car ils seront refondus. Le moulage est maintenant terminé. Pour les grandes pièces, les opérations de finition, polissage avec plusieurs états de surface, sculpture sur le métal pour de fins détails peuvent être très longues, mais le principe de moulage reste toujours le même. Depuis 1000 ans, le temple de Brijeshwara est le cœur mystique de Tanjore et le chef-d'œuvre de l'Archola. Les gopurams sont encore de dimensions relativement modestes, car la prouesse architecturale est dans le vimana, la tour élevée au-dessus du sanctuaire qui culmine ici à près de 70 mètres. Des tours qui, 300 ans plus tard, avaient disparu au profit des gopurams comme on l'a vu à Trichy. La coupole monolithe de 80 tonnes qui coiffe le Vimana a nécessité une rampe de 7 km de long pour son installation. À l'époque de son fondateur, Rajaraja Ier, vers l'an 1000, les temples du sud de l'Inde n'étaient pas que des sanctuaires, mais de véritables centres économiques avec de nombreuses dépendances. Cette cité religieuse était protégée par un haut mur qui lui valut d'être transformé en forteresse par les Français en 1772. Les fidèles venaient ici écouter la récitation des Védas ou voir les évolutions rituelles des 400 danseuses sacrées qui habitaient dans le temple. Des inscriptions en tamoul rappellent les donations dont a bénéficié le temple. Les diverses figures divines comptent parmi les meilleures représentations de l'Archola. La qualité de la réalisation, dans ses moindres détails, est remarquable. Aujourd'hui, petite cérémonie devant le temple de Nandu, car le temple est dédié à Shiva. Notez le duo en musique carnatique. Thank you.
Madura sera la grande déception du voyage. Les gopurams du temple de Meenakshi, qui passent pour être les plus beaux de l'Inde du Sud, sont en restauration et bien cachés. L'intérieur aussi est en travaux, mais cela n'empêche pas les fidèles de venir pour accomplir les rites propres à leur dévotion personnelle ou aux nécessités du jour. Toucher la statue d'Hanuman, enduite d'huile et de vermillon, pour en marquer son front, donne l'espoir de voir ses vœux exaucés. La circumambulation en 7 tours et dans le sens des aiguilles d'une montre permet de faire un examen de conscience et de prendre de bonnes décisions. On peut aussi prendre conseil d'un maître spirituel. Tout un peuple de prêtres s'affaire dans le temple car en plus des rites quotidiens, il y a le service des statues. Une représentation du dieu, quelle qu'elle soit, est un réceptacle du dieu lui-même auquel il faut apporter des soins quotidiens. En baignant la statue de liquide doux et parfumé, c'est le dieu lui-même qu'on honore. Et maintenant, direction plein ouest pour rejoindre le Kerala. Ces immenses blanchisseries sont le domaine des Shudras, ceux de la quatrième caste, la plus basse, celle qui regroupe ceux qui sont au service des autres. Un ingénieux système de marques faites sur le linge avec de petits points noirs, un peu comme nos codes-barre, permet de rendre chaque pièce à son propriétaire. Il faut maintenant franchir les Ghâts, la chaîne de montagnes qui culmine à 2200 mètres et qui sert de frontière entre le Tamil Nadu et le Kerala. Quelques kilomètres après l'entrée au Kerala, ce qui à l'origine était seulement un lac artificiel pour servir de réserve d'eau à Madura est devenu l'une des plus importantes réserves du sud de l'Inde, la réserve de Periyar. Ici vivent encore le tigre, le léopard, l'ours paresseux et l'éléphant. Tous ces animaux et beaucoup d'autres, puisque 35 espèces ont été recensées, viennent se désaltérer sur les rives du lac, mais malheureusement, surtout la nuit. Alors, soyons honnêtes, à moins d'avoir beaucoup de chance, ce qui peut quand même arriver, le visiteur devra surtout se contenter de s'ervider. La route descend maintenant sur le côté occidental des Ghâts qui reçoit la mousson. C'est dans cette forêt humide, entre 1000 et 2000 mètres, que poussent le curcuma, le gingembre, la cardamone et surtout cette petite liane verte qui fut et qui reste l'or noir du Kerala, le poivre noir, réputé le plus parfumé du monde. C'est Karl Marx qui a dit que le poivre était le moteur de l'histoire. Il faut bien admettre que c'est pour aller chercher ces petites graines noires que Christophe Colomb, en décidant d'essayer une nouvelle route par l'ouest, ne trouva pas de poivre, mais découvrit l'Amérique, ce qui allait changer la vision du monde.
Et Vasco de Gama, quand il décida de suivre la côte de l'Afrique jusqu'au bout, c'était pour aller chercher ces mêmes graines. Il trouva le pays des épices et ouvrit la route maritime de l'Europe vers l'Asie. De nos jours, on y trouve en plus de nouveaux venus, comme le caféier, le papayer et même le cacaoyer. Puis, en continuant la descente, la forêt laisse la place à d'immenses plantations de thé, où travaillent plus de 12 000 personnes qui appartiennent toutes à la même compagnie indienne. Et là, sur une butte au milieu de cette mer de buissons de thé, et pour le moins inattendu, une église. Il faut dire que le Kerala, qui est très tolérant et dont nous reparlerons, compte 20% de chrétiens. Puis, toujours en descendant, des petits EVA se mêlent aux théiers, deviennent de plus en plus nombreux pour devenir de vraies forêts d'EVA. Le Kerala est en effet le pays du caoutchouc naturel, faisant de l'Inde le quatrième producteur mondial. Ici, 400 000 tonnes sont produites chaque année par 800 000 fermiers. Vu le faible courant des rivières, la descente est maintenant terminée et l'univers des backwaters est tout proche. Les backwaters sont formés par un réseau de lagunes en bordure de la mer, lagunes qui sont creusées par des courants dont les sables bouchent les estuaires des fleuves et des rivières. Des canaux artificiels ont été creusés pour relier entre elles ces lagunes qui sont isolées de la mer par une digue naturelle. Tout cela forme un réseau de voies navigables, unique au monde par sa taille et sa densité. Et comme elle l'a fait au bord des routes, la vie s'est installée le long de ces canaux. Indispensables moyens de communication, ces canaux se sont spécialisés. Les rice boats, les bateaux de marchandises, qui pouvaient transporter jusqu'à 35 tonnes de riz, n'empruntent pas les mêmes canaux que les ferries, le bus local qui transporte les écoliers, les hommes qui vont au travail ou les femmes qui vont au marché. De nos jours, les bateaux les plus nombreux et les plus romantiques sont les houseboats, les bateaux maison. À l'origine, il y avait les ketuvalam, destinés au transport des marchandises, dont le fond plat était réalisé sans clous, mais seulement avec des nattes de coco et des lattes de bois, reliées entre elles par des cordelettes en fibre de noix de coco. Le tout était ensuite étanchéifié avec une résine extraite de la noix de cajou. Menacé de disparition par l'arrivée de bateaux plus performants, le ketuvalam a trouvé une deuxième vie dans le tourisme, avec l'installation à bord de chambres et d'une cuisine, sous une carapace arrondie en nattes de bambou et de coir, la fibre de la noix de coco, pour devenir ces fameuses maisons flottantes au style très varié. Ces bateaux, qui sont plusieurs centaines, commencent à poser des problèmes d'environnement.
pollution des moteurs, rejet des eaux usées et des déchets plastiques, sans parler de la nuisance sonore dans les villages traversés. Si Thiruvandrum est la capitale officielle du Kerala, Cochin, devenu Kochi, est la capitale économique et culturelle de l'état modèle de toute l'Inde. Un taux d'alphabétisation, homme comme femme, qui frise les 100%. Une espérance de vie, homme comme femme, qui est la plus élevée de l'Union indienne. Un taux de fécondité de 1,8 enfants par femme, dans le seul état de l'Inde où il naît plus de femmes que d'hommes. Héritage d'un système matriarcal qui lui est propre, les femmes y sont aussi plus respectées qu'ailleurs. Depuis l'indépendance, le Kerala a été longtemps dirigé par un gouvernement communiste qui s'est imposé par le partage équitable des terres et la suppression des castes. Kochi, dont le port ne fut créé qu'en 1341, dut son succès au commerce du poivre noir, ce qui l'amena au contact du reste du monde. Mais Calicut, plus au nord, restait le grand concurrent. C'est alors qu'en 1498, les Portugais qui venaient d'ouvrir pour l'Europe la route maritime des Indes s'associrent avec le Raja de Cochin pour concurrencer les commerçants arabes et les Amorins de Calicut. L'église Saint-François, construite en bois en 1503, puis remaniée en 1516, est l'église la plus ancienne construite en Inde par les Européens. C'est dans cette église que fut enterré Vasco de Gama avant son transfert au Portugal. En 1663, les Hollandais débarquent à leur tour, chassent les Portugais et fondent un comptoir. Des demeures coloniales hollandaises, parfois entourées d'un haut mur, ont échappé à la convoitise des promoteurs grâce à une protection efficace des autorités de l'Inde. Cochin sera cédé aux Anglais en 1763. Au Kerala, hindous, chrétiens et musulmans, qui n'ont jamais fait de prosélytisme, vivent en harmonie, les uns participant aux fêtes des autres. La synagogue de Kochi, la plus ancienne de toute l'Inde, fut construite en 1568. Le pavement est réalisé en carreaux de faïence bleue, peints à la main, venant de Chine. Une toute petite communauté juive d'une dizaine de personnes, mais sans rabbin, continue de vivre à Cochin. Les premiers juifs auraient débarqué ici au 1er siècle de notre ère, peu après la destruction du temple de Jérusalem en 70. Les carrelés, dits chinois, sont la grande attraction de Fort Kochi. Suspendus à un mât de 30 mètres, les carrelés restent abaissés une minute, puis 8 hommes les relèvent grâce à un système complexe de cordages et de contrepoids en pierre pour un butin souvent dérisoire qui sera vendu immédiatement au marché aux poissons adjacents. On dit qu'ils furent importés de Chine entre 1350 et 1450 par des commerçants chinois après le passage de l'amiral chinois Zheng He. Ils sont considérés comme des vestiges toujours vivaces des relations commerciales très anciennes avec la Chine. Peut-être ont-ils été tout simplement inventés par un pêcheur de la région, car les Anglais ont noté tous les détails du procès que son inventeur a intenté, il y a un siècle, pour récupérer son invention et faire breveter ses filets. Thank you.
Le Kerala possède aussi un atout très important. Il a su préserver ses plus anciennes traditions avec le théâtre Kathakali qui raconte les exploits des héros des grandes épopées hindoues, le Kalaripayam, art martial spectaculaire, et c'est aussi au Kerala que la médecine ayurvédique est restée le plus vivace. Deux traditions, l'art du combat et du massage, sont intimement liées dans le Kalaripayat, que l'on considère comme l'ancêtre des arts martiaux. En fait, le Kalaripayat est la discipline sportive de la médecine ayurvédique. Fondée sur l'observation et l'analyse du comportement des animaux, le Kalaripayat est ouvert aux garçons comme aux filles dès l'âge de 7 ans. Plusieurs étapes sur le progrès de l'élève. D'abord, acquérir la maîtrise du souffle et le contrôle du corps par une combinaison de massages, de contorsions et d'étirements. Ensuite, ce sera le maniement des armes. D'abord en bois, avec des épieuses et des bâtons longs de 50 cm à 2 mètres, puis en métal, avec des sabres, des épées et des couteaux. L'enseignement du combat à main nue ne vient qu'après. Il s'appuie sur la connaissance des 107 points vitaux de l'enseignement ayurvédique, les fameux marma, où se rencontrent le corps et la conscience. Des coups portés à 12 de ces points sont mortels. D'autres paralysent ou neutralisent l'adversaire par simple pression. L'instruction du Kalaripayat suit une progression scientifiquement mesurée visant à l'acquisition d'un ensemble de qualités corporelles. Agilité, souplesse, flexibilité, puissance, promptitude des réflexes et attention aux réactions de l'adversaire. Autrefois, les Kalari, ces vastes salles rectangulaires, semi-enterrées et couvertes de feuillage, n'étaient pas que des gymnases. Il s'agissait d'espaces sacrés, dédiés à des divinités, dont les statues étaient placées à des endroits précis du Kalari et des centres de soins médicaux. Par-delà l'entraînement physique et mental, le Kalaripayat restait une hygiène de vie, inspirée par les enseignements de l'Ayurveda, qui repose sur une parfaite connaissance du corps humain, des différents traitements ou massages à base de plantes qui permettent de soigner entorses, douleurs, courbatures, coups et blessures, sans oublier les principes diététiques qui maintiennent l'organisme en bonne santé. Le Kerala est le pays d'origine du Kathakali, un théâtre dramatique, sans décor, avec des acteurs muets qui s'expriment, comme pour le Bharatanatyam, par une gestuelle extrêmement codifiée. Expression du visage, regard, gestes, le corps tout entier est utilisé pour renforcer l'émotion.
Le Kathakali est basé sur deux grandes épopées hindoues, le Ramayana, dont nous avons déjà parlé, et la Mahabharata, dont les 90 000 vers en font la plus grande épopée de la mythologie hindoue, épopée qui raconte la guerre fratricide entre les Pandavas et les Kauravas, membres de la même famille royale descendant des dieux. Deux familles qui se battent pour la conquête du pays des Aryas, au nord du Gange. En fait, il s'agit du combat incessant du bien contre le mal. Dans leur représentation théâtrale, les divers personnages sont identifiés par leur costume, leur coiffe et leur maquillage. Ici, le maquillage remplace le masque figé du théâtre classique asiatique pour permettre le mouvement des yeux et du visage, caractéristique essentielle du Kathakali. L'ocre est réservé aux femmes, toujours joué par des hommes, que ce soit pour des héroïnes ou des servantes, mais aussi pour des démons qui peuvent se transformer en jolies femmes afin de séduire les hommes et de les détruire. Le vert est réservé aux héros, aux rois, aux prêtres et à certains dieux, comme Vishnu ou Rama. Pour Shiva et Brahma, le vert est remplacé par la couleur orange, les autres couleurs restant inchangées. Certains acteurs, avant d'entrer en scène, mettent une petite graine dans chaque œil pour colorer en rouge le blanc de l'œil afin d'augmenter l'intensité dramatique. Le maquillage royal est encadré par la shuti, une collerette de papier blanc fixée avec une colle à base de riz. La shuti a pour but de renforcer les émotions, traduites par les expressions des yeux et du visage. La variété des accessoires, qui permettent parfois l'identification du personnage, est impressionnante. Dans un coin de la scène, un conteur-narrateur qui assume aussi le rôle de chanteur, aidé par un ou plusieurs percussionnistes. Une représentation Kathakali classique dure toute la nuit. Heureusement, pour les non-initiés, on peut assister maintenant à des représentations de 1 heure environ. Pour notre compréhension, les voix que vous allez entendre sont la traduction du texte de la Mahabharata qui correspond à la scène que jouent les acteurs. Mais n'oubliez pas que dans le Kathakali, les acteurs ne parlent pas. Dans cette scène, Bhima, prince Pandava et guerrier redoutable, est face à Lalita, une démone de la famille ennemie des Kaurava, qui a été envoyée par son frère Idimba pour séduire et tuer Bhima, mais qui en est tombée amoureuse. Pourquoi es-tu venu dans la forêt d'Idimba? Je te le dis, il m'a envoyé pour te tuer. Mais maintenant, mes bras voudraient te serrer contre moi. Pourquoi? Mais nous sommes de la famille des Pandas, qui a dû quitter son royaume pour venir vivre dans cette forêt. Car ton cousin nous a trahis. Ton cousin cruel qui a un serpent venimeux comme emblème. Oh mon prince charmant, par pitié, aime-moi. Que puis-je faire d'autre? Je veux me protéger dans tes bras puissants. Je t'aime déjà, mais tu dois savoir que mon frère aîné n'est pas encore marié. Ce ne serait pas honnête pour moi de partir avec toi alors qu'il n'est pas marié. Ton frère, bien sûr. Mais mon frère, ce démon va venir ici. Fuyons rapidement pour aller dans un endroit où nous serons seuls pour vivre notre amour. Comment pourrais-je fuir alors que ma famille dort? Non. Je dois respecter mon vœu. C'est alors que le narrateur explique que le démon Idimba, qui a peur que sa sœur le trahisse, va s'incarner dans Lalita pour tuer Bhima. Toi, insecte humain, n'essaie pas de lever les yeux sur cette ogresse. Éloigne-toi d'elle, laisse-la toute seule. Et maintenant, viens te battre pour sauver ta vie. Tais-toi, tu parles trop, serpent démoniaque, ou je vais te tuer.
Une seconde, c'est tout le temps qu'il me faudra. Même si vous étiez des milliers à m'attaquer ensemble, je ne sentirais rien. Sache-le, ver de terre. Comme les griffes du seigneur Narasimha, mes ongles longs et acérés vont ouvrir ta poitrine. Voilà comment je vais te tuer, sale lâche. Que sont tes mains pour moi, homme chétif? Les miennes sont des couperets pour la viande. Je vais t'envoyer vers les fils du soleil, déchiqueté en milliers de morceaux. Ô monstre de noirceur, repoussant cannibale, détestable Indiba, je vais fendre ta poitrine et la laisser ouverte. Sois prêt, dans un quart de seconde tu seras chez Yama. Yama, c'est le dieu de la mort, il règne sur les enfers. Et c'est sur le salut rituel de Bhima que nous terminerons notre voyage en Inde du Sud.